On dit qu'il vaut mieux avoir affaire à Jésus qu'à ses apôtres, mais le maître Kubo et Sato qu'on voit debout derrière contredisent de définition ce proverbe. Car la femme du maître de Ichwan, Surubin, m'a dit, Kubo et Sato a appris avec le maître Yao Shangguang, fils de Yao Longsun, mais en combat, maintenant, le maître est devenu moins fort que Kubo Isato. C'est-à-dire que, dans quelques rares cas, l'élève a dépassé le maître. Donc, il faut changer un petit peu la vision. Le monde a changé. Comme maintenant, par exemple, l'Amérique, maintenant, est présidée par un président noir qu'on n'aurait jamais vu. Normalement, on voit le noir comme esclave. Maintenant, certains noirs sont devenus présidents et ont de la culture. Quand on parle de Nekong, né interne, comme le travail intérieur, beaucoup ne l'ont pas. C'est très difficile. Seul le travail de Taikiken mélangé avec Ichwan produit une autre forme de style. Ce style a été créé par Kubo Sato. Donc, ce que j'appelle ça, c'est le travail de Nekong interne dans le combat. Ils s'entraînent dans la nature. Bien, les coups sont précis. S'ils ne veulent pas, ils contrôlent. S'ils veulent, ils peuvent y aller à fond aussi. Donc, les coups sont précis. On garde le travail de la posture, du cheli et du mosapu fait à la méthode japonaise Taikiken, en chinois Tai Chi, tu vois, Chi de souffle, Qigong. Cette forme de combat du Nekong interne, comme on le voit, on utilise beaucoup les poings, seulement quelques coups de pied bas, car cela reste une boxe. Comme par exemple la boxe anglaise, il n'y a que le gauche, coup de poing de gauche, coup de poing du droit, du crochet hypercute et déplacement du corps et conditionnement physique. La boxe interne, le Nekong, c'est la même chose. 70% de mains, des poings et 30% de coups de pied bas. C'est la seule manière qu'on peut progresser en gardant la santé jusqu'à un âge avancé. Le maître Kubo Isato, du nom chinois Yongba ou Yongren, démontre qu'on appelle en chinois Jianwu, danse de la boxe ou shadow boxing. La particularité, c'est que quand on arrive à haut niveau, ce n'est pas joué à voir, ce n'est pas compréhensible, car toute la vraie force est tout contenue dans le corps. Mais si on lui balance un low kick ou un kick ou une gauche droite, il n'y a pas de problème, il peut bloquer et rentrer dans la garde. Ça, c'est le Taikiken mélangé avec le Yichuan de Yao Shangguang qui devient une autre boxe interne. Simple, direct, spontané, non démonstratif. C'est ça la vérité. Et tous les jours entraîné dans le parc de la nature. Shadow boxing, Jianwu, en japonais c'est Tanshu. La vérité n'est pas jolie à voir. Elle se teste réellement.